Bonjour mes petits fessures, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est mercredi 20 octobre. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de monsieur. Je vous ai pas pris ni lundi, mardi, parce que j'avais pas grand chose à vous parler. Mais je pense que vous aurez pas ce vlog ce samedi-ci, mais le samedi prochain. Voilà, parce que je pense qu'il va y avoir un petit décalage quand même d'une semaine de vlog. Parce que je suis enfin, fatiguée. Je n'arrive pas à monter la vidéo et enfin, monter le vlog le vendredi soir. Souvent, il me faut jusqu'à minuit, minuit et demi pour qu'elle s'upload sur YouTube. Et c'est vrai que voilà, c'est long et j'aime pas ça. J'aime bien quand, surtout le vendredi pour le moment, il y a Danse avec les stars. Ça va parce que je regarde avec Danse avec les stars tant que le PC. Va, mais d'habitude je coupe toujours le PC avant de passer ma soirée à lire ou à regarder la télé, comme ici le vendredi. Du coup, ça m'ennuie de laisser mon PC et la télé en même temps. Voilà, mais enfin, soit du coup, je pense qu'il va y avoir un petit décalage d'une semaine de vidéo. Comme ça, j'ai le temps de monter de la semaine. Du coup, je viens vous parler parce que j'ai suis reçu. Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi, de Pauline B. Aster, je sais pas comment ça se dit. Voilà, j'avais trop envie, il me donne trop envie de le lire. Du coup, voilà, je vais vous lire la quatrième de couverture. Depuis qu'il est venu à Walter, Alex vit une hérible hérémie. Est toujours accompagné d'un chien loup. À faire tremper plus d'interpieds. Il passe ses journées solo au milieu du bois, dans la maison de son grand-père éprouvé. Alors qu'il finit par se rendre en ville, le destin lui réserve une drôle de surprise. Il se retrouve nez à nez avec Rome. Comment ça se prononce? Son amour adolescent. Après le décès de son mari militaire, de Alfanata, je ne sais pas comment ça se dit, Rome est brisée. Et si elle approchait de qualité, c'est pour son fils, Ellie, un petit garçon similaire mais non moins attachant. Contre toute attente, le retrouvail permet à chacun de placer ses blessures. Malgré ces années écoulées, leur complicité est intacale, ce qui n'est pas sans perturbe et se sentir chaque risqué de s'accompagner lorsque Élite se pousse. Passer Noël ensemble. Le bonheur caché peut-être au fond des bois. Un roman drame psychologique. Voilà, il est trop beau aussi. J'aime bien la couverture. Et alors celui que j'ai flashé dessus. Mais il est trop beau. Je pensais que c'était un toc toc parce qu'il était marqué relié. C'est ça que j'ai pas compris. Voilà. Bon, je vais pas vous lire le nom. C'est de Eve Stone, c'est Ella la Promise de BMR. C'est une maison d'édition que je connais pas trop. J'ai déjà essayé de m'intéresser un peu plus. Ça doit être la fantasy. Mais je ne sais pas si c'est de la nous adulte ou de la jeunesse. Voilà. Et ça a l'air. J'ai jamais vu. Ça écrit assez haut et grand. Pas beaucoup de marches. C'est écrit assez gros quand même. Et j'ai envie de me le lire là maintenant en fait. Pourtant je ne peux pas. J'ai pas fini ma pelle d'octobre. Pas du tout. Et je suis vraiment en retard. Et je pense que je vais la rater. Du coup je voulais la quatrième de couverture qui est magnifique. Ces deux personnages sont très belles. Du coup Ella est une jeune sorcière dont enjouée. Et pénible. Pilante. Oh, pff, je vais aller dormir.
En fait, j'ai été faire 1h30 de sport très tôt le matin. J'étais pour 6h15. Je suis rentrée à 8h. Je me suis reposée 1h30. Ça m'a fait du bien, mais voilà. Et je suis en plus, je commence à tomber malade. Je sais pas si vous entendez, mais je parle dans le nez. Depuis la semaine passée, le vœu que vous avez eu, pas cette semaine, mais la semaine passée, le vlog de mon anniversaire, je tombe malade et je suis vraiment pas dans mon assiette. Et du coup, je parle dans mon nez et ça m'embête. Pétillante, vivant tranquillement dans le monde des humains, où elle suit les cours de l'université de Springfall. Cette année encore, elle va assister aux côtés de ses deux puissantes sœurs de la fête de la communauté des sorcières. Mais cette édition est particulièrement les sorcières et les dieux ont décidé de faire accès de confis qui perdurent encore leur depuis leur décennie pour cette paire d'organiser un mariage entre les prétendants de chaque communauté. Elle a érouité apprendre que sa sœur Noroë est la sorcière désignée pour cette union et encore plus alors le maître de luxe Zen présente la future Marie, son beau-fils témoin, dieu de la terreur, froid et arrogant. Ces derniers à la forme terrible et noire de la nuit. Elle-là ne peut pas y croire, hors de question que ma sœur épouse incarnation même de Tréheur. Mais d'heure bouleverse les négations et refuse la fiancée qui lui est imposée. Il décide lui-même de promise qu'il a choisi la sorcière sans doute laquelle personne ne l'attendrait pas. Elle l'a. Voilà, il faut avoir de la romance, du coup, je me dis un peu de fantastique, de la romance, ça me tente bien. Et en plus, il est trop beau, même à l'arrière. Voyez? Et alors, je suis un petit peu déçue. Je ne sais pas si vous allez voir, je pense pas. Là, il y a une tache ici, un petit peu. Là, si vous voyez, il est plié. Voilà. Mais à part ça, il a presque rien. Du coup, je me dis, je vais appuyer là, comme ça. Il a presque rien. Du coup, voilà. Et normalement, demain, il va avoir, je ne sais plus, je sais bien que c'est par, ça finit, c'est R. Il y a un autre livre qui va arriver demain, normalement. Je suis occupée de lire L'Antilune de miel de Christina Loren chez Hugo, la collection poche. Enfin, non, c'est juste, il n'y a pas de collection dans celle-ci. Je suis à 126. Je n'ai pas beaucoup lu. J'aurais dû avoir fini celui-là et entamé. Je le prends. Celui-ci. Mais voilà. Du coup, on est le 20. Il me reste. 11 jours, je crois, pour terminer 2 livres. Et ça m'étonnerait que celui-là, je le lisse. Du coup, voilà. Du coup, je ne sais pas. Est-ce que je me le remets pour le mois prochain ou je me fais une. Je ne sais pas. Je vais réfléchir à ça pour faire une petite punition quand même. Mais je pense que je vais devoir me le remettre parce que je voudrais bien le terminer quand même. Cette série, c'est en 2 tomes. Il ne me reste plus que celui-là à lire. Ce serait bête. C'est juste qu'il me fait peur parce que c'est écrit tout petit, comme vous voyez, à propos à ça et ça. Vous voyez, l'écriture est tout petit. Voilà. Mais à part ça, et en plus celui-ci est quand même plus petit, il fait 300 pages. Voilà quoi. Du coup, voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire. J'ai reçu ma box Picoli de livres qui m'intéressent. Il y en a un que je crois que je vais me mettre pour mois de novembre. Vous verrez la vidéo avant ce vlog, logiquement.
Parce que ce serait pour la semaine prochaine, début de semaine, je pense. Lundi ou vendredi. Ouais, vous l'aurez avant le vlog, je pense. Voilà. Ouais. Voilà. Et là, je vais rester dans mon lit. J'ai vraiment pas envie de bouger. J'ai froid. J'ai une encopote. J'ai mes petits chats près de moi. Et je vais continuer Christina Loren, l'anti-lune de miel. Je vous en dirai plus après. Parce que là, si j'ai bien. J'ai eu un doute en fait. Elle est partie avec le. En fait, on va suivre plusieurs personnages. La mariée tombe malade. Enfin, tous les invités du mariage tombent malades. Ils ont un tort. Tor oh, je sais pas le dire le mot. Un. Oh, un torsi. Enfin, ils ont mangé, ils ont été malades. Ils supportent pas. Voilà. Voilà. Sauf que sa soeur n'a. Enfin. Sa soeur n'a pas mangé. Elle a mangé du poulet et elle n'a pas été touchée. Et je crois que le mari, si j'ai bien compris, c'est le mari. Ou alors c'est ça que j'ai un doute. Si c'est le mari ou c'est une. En fait, c'est sa jumelle. Et voilà, c'est ce que c'est. Et je ne sais pas si c'est un copain à elle ou si c'est le mari de la mariée. Ça, c'est un truc que j'ai pas vraiment compris. Je vais continuer et je vais certainement comprendre là maintenant. Ça va aller tout seul. Non, c'est le. Ouais, ça va, je viens de comprendre en lisant la deux dernière phrase du bouquin. En fait, c'est en compagnie d'Ethan, Thomas, le témoin du marié et de son meilleur ennemi juré. Voilà, en fait, c'est les deux témoins, en fait, c'est sa sœur et le témoin de son mari qui vont partir en lune de miel et qui se détestent tous les deux. Et c'est assez spécial leur histoire. Parce qu'ils vont arriver, ils vont devoir faire semblant qu'ils viennent de se marier. Du coup, voilà. Et puis, elle se dit. Il y a mon chat qui joue avec mon trépied. Et après, elle se dit ben, tous les vacances, c'est pour 10 jours de vacances. Qu'ils vont faire chacun de leur côté. Mais. C'est pas du tout ce qui va se voir parce que ils vont prévoir de faire des restos. Enfin, comme c'est un truc de mariage, ils ont fait les tables pour les mariés. Ils ont la chambre, c'est une belle chambre de lune de miel. Du coup, voilà, ils vont devoir dormir. Mais lui, il va dormir dans le fauteuil. Mais ils vont voir un truc pour aller dîner. Du coup, elle va dire bah, si tu viens dîner avec moi, je te laisse le lit. C'est tous des trucs assez. Voilà. Bon, j'ai pas encore rigolé, mais j'espère que ça va avancer. J'aimerais bien le terminer gros max vendredi, mais ça, je ne pense pas parce que demain, j'ai des choses à faire à la maison. Voilà, là aujourd'hui, je n'ai plus rien à faire. Oups, elle est tombée. Enfin, si j'ai des trucs à faire, mais j'ai vraiment pas envie de les faire. Du coup, voilà. Je vous bouge en tous les sens. Et du coup, je vais lire là. J'ai vraiment pas envie de faire quelque chose. J'ai un peu en compote. Voilà. Je suis contente, c'est que j'ai été au sport. Ça m'a fait du bien. Changer les idées. Mais punaise, à 6h du matin, c'est dur. Hein, je vous le dis. Enfin, j'étais plus motivée quand même. Du coup, voilà. Je vais me lire ça. Je vais continuer à lire ça. Et demain, il faudrait bien que. Je m'occupe plein de choses. Ouais, mais je ne sais pas, on verra bien mon humeur. Et ce soir, il n'est pas au courant. Pour lui, on va manger juste un morceau de gâteau, mais on va manger chez ma tontine. Voilà, on va faire une fondue à la viande. Vous voyez, c'est une casserole avec de l'huile et vous mettez votre viande. Ben, c'est ça, avec des frites. Et je crois que c'est de la salade qu'elle va faire. Voilà. Du coup, voilà. Et moi, je vais aller me plonger là. J'ai fait les gâteaux hier. Les deux gâteaux. Parce qu'aujourd'hui, il est parti avec un au boulot. Moi, j'ai envoyé un message que son chef et ses collègues ont bien aimé. Je suis contente. Voilà. Et il y en a encore un dans le four. Qui sera pour ce soir. Parce que moi, je n'ai pas encore goûté mon gâteau. Voilà. J'ai fait un gâteau yogourt. Très bon. Et je ne donne jamais ma recette.
Voilà. Bon, même lui, il la connaît, mais voilà, je lui dis, tu ne la donnes pas du coup. Non, non, ça va. Voilà, je la donne à personne cette recette. C'est la seule recette que. Une des recettes que j'ai faites, en fait, c'est mon papa qui l'a ramenée. Il m'a dit, essaye celle-là. D'accord, ça fait longtemps, hein, je vous le dis, hein, ça fait perpète. Et je l'ai essayé et ça a bien été. Du coup, voilà. Sauf que dans la recette, normalement, il y a un truc qui est marqué, mais moi, je ne le mets pas. Parce que je trouve que ça prend toute sa place. Logiquement, il y a un. Je sais plus, c'est un. Je sais que c'est du jus d'orange. Je sais plus combien de quantité, enfin quelle quantité, mais moi ça je ne l'en mets pas parce que je trouve que le jus d'orange prend tout le goût sur le yogourt que je mets. Voilà, parce que moi je mets un yogourt aux fruits. Pour ceux qui aiment bien mettre les morceaux, c'est mieux parce que là il y a vraiment le goût des morceaux. Sauf que moi je n'en mets pas de morceaux, je mets juste des yogourts sans morceaux. Voilà, c'est les seuls détails que vous aurez. Le reste, je vous le dis pas. Voilà. Et il est très top et il est bien. Si je pense, j'essaierai de vous le montrer. Voilà. Bon, je ne l'ai pas garni. J'ai juste mis le gâteau. Basta. Voilà. Ah oui, il y a les bougies dans l'auto. Il faut pas que je l'oublie. J'ai des bougies aussi que je peux mettre dessus. Voilà. Du coup, voilà. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller bouquiner. Je sais même pas quelle heure il est. Je sais juste qu'on est mercredi, qu'on est le 20. Et là, il est. Ah ouais, déjà 11h25. Pouh. Et en plus, aujourd'hui, monsieur va terminer un tout petit peu plus tôt. Je ne sais pas à quelle heure. Parce qu'à 3h45, il doit passer la voiture au contrôle. Du coup, voilà. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Et je vous reprendrai plus tard. Ou demain, je vais essayer d'avancer ce bouquin. Voilà. À ma poupette. Voilà. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bonjour mes Lucia, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Pas beaucoup dormi. Je reviens dans le vlog. On est jeudi 31 octobre. 31 octobre. 21 octobre, je suis fatiguée. Faut que j'arrête de dire des bêtises. Ça ne m'arrange pas. Voilà. Il fait très très noir, vous voyez. On a une grosse grosse tempête cette nuit. Beaucoup de vent. Beaucoup de pluie, j'ai très mal dormi à cause de ça. Du coup, voilà. Et là, il pleut encore. Attends, de merde. Voilà. Je revenais dans ce vlog pour vous parler. Enfin, vous parler, oui. Je n'avance pas des masses dans ma lecture. Je suis à la page 140 ou chapitre 7. 100, 140, ouais, 141 exactement. L'antilune de miel de Christina Loren. J'aimerais bien continuer. Il reste quand même pas mal à lire. Pour le moment, ça va. C'est, on va dire que je n'arrive pas à me mettre dedans à fond. Je sais pas pourquoi. Pourtant, tout le monde l'a bien aimé. Pour le moment, je sais pas. J'ai un petit souci. Je sais pas. On va voir. En même temps que je vous parle, mais je joue au Sim. Et là, j'ai oublié de faire pause. Et j'ai un gamin qui est en PLS. Du coup, voilà. On va lui faire. Il va dans la chambre de sa mère par là. Non.
Ouais, non, c'est bon. Du coup, je me. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, j'ai eu un colis. Je vous l'avais dit, je sais pas. Moi, ouais, je pense hier. Ah là là, j'ai trop envie de l'avoir. Mysterio de Air. Il a eu le prix du Mystique 2021, le plus belle histoire d'amour. Hugo et c'est Adriana Druy, voilà. Je sais juste qu'en fait, il va avoir une histoire avec la jeune femme qui ne veut plus d'homme et qui va s'inscrire sur le site Mystique. Et voilà, je n'en sais pas plus. Et je voudrais juste le découvrir sans trop connaître. Voilà, j'ai déjà eu beaucoup d'amis parce que ceux qui ont été au festival de la Nous Romance ont beaucoup beaucoup parlé de ça. Du coup, j'ai déjà vu passer beaucoup de fois. Mais le truc, il est trop. Je me trompe. Il est trop beau. J'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais celui-ci, je crois que je vais laisser le. Enfin, je vais le retirer, mais le garder. Je sais pas pourquoi, mais celui-ci, j'ai envie de le garder. Voilà, je vais le mettre dedans. Hop! Voilà, mais j'ai trop envie de le lire. Je pense que je vais le lire pour le mois prochain. Il sera dans ma palle du mois prochain. Voilà. Et voilà. Du coup, j'ai joué aussi, mais hier soir, j'ai joué à Pokémon. Je ne sais plus quoi sur la Switch. Parce qu'il y a un mode spécial Halloween. Et du coup, j'avais envie de jouer un petit peu. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et après, mon chéri est rentré. On s'est préparé et on est parti chez ma tantine. On a été manger une fondue à la viande. Oui, c'est la fondue avec de l'huile et qu'on trempe la viande dedans. Avec de la salade et des petites pommes de terre. Peut-être des croquettes en fait. On va dire croquettes serait plus facile. Et du coup, voilà. Et c'était très bon. Je suis rentrée à 9h30. Et quand je suis rentrée, je me suis occupée de mes monstres. Et après, je me suis mise sur le lit et j'ai regardé quelques vidéos. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est pour ça que je vais faire le vlog plus long cette fois-ci. Parce que j'ai pas grand-chose à vous dire. Du coup, voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser et je vais... enregistrer mes sims et aller bouquiner un petit peu parce que j'ai trop envie d'aller là j'ai envie de lire du coup je vais aller lire tout ça sur ce je vous laisse et je vous dis plus tard. Bonjour mes tutoriels, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je reviens dans ce vlog, on est le 23 du 10, on est samedi, il est au soir, j'ai déjà un pyjama, il est 19h. Voilà, je viens juste de le mettre, j'ai froid. Du coup, j'ai mis mon pyjama pilou-pilou de Winnie l'ourson, on est bien dedans. Et je me suis dit, je vous ai pas pris aujourd'hui, mais j'ai pas beaucoup de trucs à vous raconter. Du coup, je vais vous faire quand même un petit coucou. Et aujourd'hui, j'ai pas fait grand-chose, j'ai terminé, je vais essayer de vous le montrer demain. J'ai fini le Diamond Painting de Chat Noir. Et je ne sais plus comment elle s'appelle. Ladybug. Je vous montrerai ça demain parce que je l'ai rangé hier. J'ai terminé après-midi. Comme ça, je peux lui rendre le 30, si je ne me dis pas de bêtises, que je la vois. Du coup, elle aura le 30. J'ai plus qu'à aller chercher un petit cadre. Et comme ça, elle pourra le mettre dans sa chambre, la petite. Voilà, et tantôt j'ai été chercher des légumes au Carrefour et j'ai trouvé ceci. Je l'avais vu et j'avais envie de me le prendre et j'ai trouvé à 9, 9 quelque chose, je ne sais plus vous dire. Du coup, c'est Astérix et les griffons, au texte Jean. Jean-Yves Ferré et au dessin Didier Connard. Didier Connard, ah bon? Voilà, et il me donnait trop envie. J'aime bien la collection Astérique. Je me suis dit que j'allais essayer de me la procurer tous les BD de Astérique. Bon, les planches sont comme ceci.
Je suppose que vous connaissez quand même. Voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle et je ne veux pas savoir. J'ai vraiment envie de me plonger dedans. Voilà. Du coup, j'ai envie de me la faire bientôt. Voilà. Je sais pas. Peut-être que demain, je me la ferai sur la journée. Parce que demain, je n'ai pas grand-chose à faire. Parce que voilà, j'ai monsieur qui est malade. Parce que je vous l'ai dit. Et comme il est malade, il veut pas sortir. Du coup, voilà, on est resté à la maison. On a juste été tantôt. Mes amis sont passés au magasin de chaussures que j'ai été. Je pourrais peut-être vous les montrer aussi. En fait, c'est des paires de chaussures qui vaut parfois très cher. Et je les ai eues pour 20 euros. Voilà, ma tante a acheté une paire vendredi au prix de, non, enfin, logiquement au prix de 115 euros. Et elle les a payées 20 euros. Du coup, ça vaut le coup. Je me suis acheté 4 paires de chaussures et 2 pour monsieur. Voilà, ça vaut le coup. Il a pris 2 paires de baskets, les mêmes, sauf qu'il a pris en beige et en vert kaki. J'essaierai de vous montrer ça demain quand on aura un peu plus de lumière dans la journée. Moi, j'en ai pris 4. Une que je garderai pour l'été. Enfin, ce sera plus pour l'été. Il y a une paire de baskets que je vais mettre pour aller au sport. Elle va être rien que pour le store. Sport, j'ai acheté une autre paire de chaussures. Je me suis dit peut-être pour l'hiver pour mieux accrocher à la neige. Ça doit être plus. Je vous montrerai. Je les ai essayées aujourd'hui. Je les ai mis pour aller au magasin et voilà. Elles sont super bien. On est bien confortable dedans. Et l'autre, c'est une petite botte un peu cow-boy que j'aime beaucoup. Je vous montrerai ça demain. Et à part ça, j'avance dans ma lecture. Je lis pas beaucoup. Bon, j'ai quand même avancé. Je suis à 250. Deux pages dans L'Anti-Lune de miel de Christina Loren chez Hugo. J'aimerais bien le finir ici. Il me reste ça encore à lire. Pas mal encore. Mais voilà, j'aimerais bien le terminer. Je suis en retard sur mes lectures. J'ai encore un livre à lire et on est le 23. Je suis en train de réfléchir pour ma pal de novembre. J'en mets trois. J'en ai déjà deux que je veux mettre. Qui est. Il n'est pas là. Mais vous ne l'avez pas encore vu, mais tant pis, ça serait un spoil. Enfin, si vous l'aurez vu à ce moment-là. Et si nos cœurs qui battent de Karine Ponte. Et alors le petit nouveau qui est aussi arrivé, qui est Mysterious Air de Adriana Drieu, voilà, chez Hugo. Voilà, les deux là déjà. Et alors, je me suis dit que il faut que j'essaie d'avancer les livres un peu Disney. Enfin, c'est pas Disney, mais c'est revisiter Disney en fait. Et je vous le prends. Voilà, et j'aimerais bien mettre Rose Éternelle. Mais c'est un gros bébé. Il fait quand même passer 500 pages. Du coup, voilà, il est trop belle. La couverture est très belle. Voilà, c'est la revisite de la. La belle, voilà. J'ai encore celle de Cendrillon à lire, et puis il y avait celle qui est là qui est très belle aussi. Je vais vous la choper. Bon, j'ai en pyjama, hein. Qui est très belle, tout à peu spéciale. Celle-ci qui est très belle aussi, que je voudrais bien mettre aussi dans ma palle du mois de peut-être janvier. Je sais pas, parce qu'en janvier, j'hésite quand même. Ouais. En décembre, non, je la mettrai peut-être pas. J'aimerais bien mettre le livre de Noël en décembre. Voilà, du coup, je voudrais déjà mettre ces trois-là. Ces trois-là. Et après, j'aimerais bien mettre celui-ci aussi. Voilà, mais voilà. Je me dis, ça fait peut-être beaucoup. Je suis déjà pas capable. Enfin, peut-être que je lirai un peu plus. Voilà les livres que je voudrais bien mettre dans ma palle, mais j'hésite encore. Voilà, je vais réfléchir à ça. Mais ces deux-là. C'est sûr, mais enfin, celui-là, il faut que je le mette aussi. Parce qu'il faut. Voilà. Du coup, l'autre, je ne suis pas très sûre de le mettre. Ou je me mets un manga à la place. Vous voyez, si je mets ça, ça, ça et un manga, c'est peut-être possible que je le lis. Parce que celui-ci est quand même plus petit. Graine pompe. Il fait même pas 200, je pense. Ah si, il fait presque 300 pages. 257. Du coup, je me dis que c'était possible de lire celui-là, de me lire les deux là. Voilà, j'espère. Après, j'aimerais peut-être mettre un manga. Je vais regarder à ça pour avancer mes mangas. Celui-là, je le mettrai peut-être après.
Voilà. J'aimerais bien mettre peut-être celui-là au mois de décembre avec le tome 1, parce que je ne l'ai pas encore lu non plus. Voilà, j'ai trop soif, je bois un coup. Voilà. Pour essayer d'avancer un peu tout ça. Et il faudrait que je sache que je lise le livre que j'ai pas lu du coup. Mais je me dis si je mets le BD à la place, ça peut changer. Voilà. Mais ça me fera deux BD. Enfin, c'est un manga l'autre. J'aurais lu Qu'est-ce qu'il y a à Cloche et la Skull Rerkim. Oh, c'est comment on l'a encore? Je ne sais plus le nom. Je sais même plus où je l'ai mis. Oh, oh, je ne sais plus le nom que j'ai lu avant celui-ci. Et celui-ci, voilà. Là, je vais aller dans mon lit et bouquiner un petit peu. Parce qu'il est déjà 7h. Je vais profiter de lire un petit peu. Demain, j'attends de me lever. Du coup, je vais lire. Et essayer d'avancer. Voilà. Si je pouvais le terminer maintenant, ce serait top. Mais je suis pas sûre de le terminer aujourd'hui. Aujourd'hui ou demain, comme ça on est le 23, je dirais 24 dimanche. Et il faudrait que je lise encore un livre la semaine prochaine. Alors du coup, je pourrais peut-être essayer de lire mon autre livre qui est là-bas. Du coup, je ne vais pas le chercher. Je ne sais plus, c'était un tome 2. Essayer de le terminer, de le commencer, de le terminer la semaine prochaine. Ce serait le top. Voilà. Mettre 50 pages par jour et terminer. Je ne sais même pas combien de pages il fait. Voilà, du coup, essayer de terminer. Et voilà. Et après, il faut que je fasse l'appel de novembre et les livres que j'ai lus. Vous en parler en plus en profondeur dans une vidéo. Voilà. Parce que je vous le montre, mais je ne vous ai pas trop parlé. Voilà. Mais je vous en parlerai plus tard. Mais pour le moment, c'est une bonne lecture. C'est pas un coup de cœur. C'est pas. Voilà. C'est un livre qui passe le temps, qui change un petit peu des choses. Attends, le marchand de glace. Il fait glace, ça y est, il passe encore. Voilà. Enfin, aujourd'hui, ça faisait pas trop froid quand même. C'est un peu un petit livre doudou, un peu. C'est pas. Je sais pas comment dire, un peu comme. C'est une petite enfin, un truc qui passe bien, quoi. Voilà. Et je sais pas pourquoi je n'arrive pas à me plonger dedans, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment un problème avec ce livre. Voilà, mais là je vais aller lire, je vais finir ma vidéo qui me reste même pas dizaine, 17, 18, 19, 20, ouais, 3 minutes et quelques centièmes. Voilà, je vais finir ma vidéo qui est Nina Quill et après je mets sur mon lit bouquiner ça et voilà. Et je vous reprendrai demain pour vous en parler plus, enfin, vous montrer. Mes chaussures, montrer le diamond painting. Voilà, parce qu'aujourd'hui j'ai rien fait. Voilà, j'ai fait à manger. Voilà, j'ai fait cordon bleu, pommes de terre et comme légumes. C'était chicon cru pour moi, pommes Jenna Gold et betterave. Voilà, et monsieur il a mangé des chicons couilles parce qu'il préfère des couilles, du coup, voilà. Et voilà, du coup, voilà ce qu'on a mangé. Demain, j'en sais rien. On est dimanche. Voilà, je sais pas. On verra bien demain. Voilà, et comment monsieur se va. Et peut-être que j'irai bien à la brocante. Du coup, peut-être que je vous prendrai avec moi pour aller à la brocante une fois. Ça dépend s'il pleut ou pas. S'il pleut pas, j'irai voir à la brocante. C'est à côté de chez moi, en plus, à 2 minutes. Du coup, s'il fait pas mauvais, j'irai voir. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais continuer ma vidéo et aller bouquiner. Je vous dis à plus tard. Bisous, bisous, bisous. Bonjour, monsieur, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est pas le cas. Parce que vous entendez, je parle dans le nez. On est lundi 25. Je reviens dans ce vlog. Je vous ai pas pris du tout. Il est tard. Je sais pas quelle heure passée. Il doit être dans les environs de 8 heures. Je voulais vous en parler, j'ai pas pu lire hier, j'étais malade. Hier j'ai fait presque que dormir, mais là j'avance tout doucement. Je suis à 322 au chapitre 15. J'aimerais bien essayer de le finir aujourd'hui ou demain matin. Voilà, parce que voilà, comme on est déjà le 25, 26, je ne sais plus, je viens de regarder 25, je crois.
Et que voilà, logiquement, j'ai encore un livre à lire pour finir ma palme, mais je pense que je vais finir celui-là et laisser l'autre. Tant pis, je lirai une BD ou un manga pour essayer de manquer ce truc-là, ce manque de livres, voilà, et commencer, enfin, voilà. Mais je vous en parlerai plus tard du mon livre que j'aime bien. Bon, c'est pas une excellente lecture, mais ça se lit entre deux livres assez durs, assez compliqués à lire. Du coup, voilà, j'aime bien. Je vous en parlerai plus en profondeur dans la vidéo qui va bientôt arriver. Normalement, vous l'aurez peut-être début janvier, janvier, début novembre. Vous aurez la palle aussi de novembre. Je vais essayer de la mettre celle-là. J'aimerais bien la tourner demain, mardi ou mercredi, demain ou après-demain. Comme ça, je peux la monter et vous la mettre pour peut-être enfin, je sais pas, le premier. Enfin, je sais pas quand tombe le premier. Enfin, le premier jour de novembre. Enfin, plus ou moins, quoi. Voilà. Ou un petit peu avant novembre. Si c'est le dernier jour, c'est le vendredi. Vous voyez, mettre ça là, en ce moment-là. Je ne sais pas. Il faut que je voie excusez-moi. Le calendrier. Parce que là, j'ai aucune idée. Du coup, il faudrait que je regarde après mes livres. J'hésite avec plein, plein, plein de livres à mettre. Là maintenant j'en ai deux là que je veux, 3, 4, 5 que je voudrais bien mettre. Voilà, mais c'est pas possible, 5. Voilà, du coup il faut que bah, ça se lira. Sauf qu'ici je voudrais bien mettre un livre obligatoirement dans ma palle, une réécriture de Disney parce que j'en ai plein à lire. Du coup je voudrais bien faire ça, en mettre un obligatoirement par mois pour essayer de les lire, quoi. Du coup voilà, mais j'hésite entre La Petite Sirène et l'autre, c'est La Belle et la Bête, les écritures, hein. Voilà, du coup voilà, mais je voulais montrer demain. J'avais dit aussi je crois que c'est samedi que je vous ai pris, non dimanche, j'ai pas, je vous ai pas pris, du coup c'est samedi. Ça, dimanche j'ai passé la journée à dormir, que j'allais vous montrer les chaussures que j'ai pris, mais je vais essayer de vous montrer ça demain, parce que aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Enfin, ça va mieux. Je pense que demain, avec une bonne nuit de sommeil encore, ça ira beaucoup mieux. Du coup, voilà. Bon, à part la toux et le nez encombré, ça va beaucoup mieux. Et j'ai dormi et j'ai eu. Enfin, j'ai bien, bien, bien transpiré cette nuit. Du coup, tout mauvais est sorti. Bah, j'aimerais bien encore transpirer cette nuit pour que tout s'en va. Comme ça, demain, je change le lit parce que monsieur va beaucoup mieux. Moi aussi, j'espère. Voilà, comme ça, le lit serait propre avant de trop transpirer dans le nouveau lit, quand même. Et voilà. Et je dois puis vous préparer les vidéos pour lundi, au minimum samedi et vendredi. Ce vlog pour que je vous le mette samedi et la vidéo du lundi. Voilà. Et je pense, si tout se passe bien, je ne sais pas, je vous ferai peut-être un vlog de la Comic-Con. Je ne suis pas encore sûre à 100% si je le fais. Je vais voir mon état, comment je vais. Et voilà, parce que logiquement, on va dormir à l'hôtel. Du coup, voilà, je vous montrerai peut-être tout ça en vlog. Et ça vous dit. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser et je vous fais des gros bisous et je vous reprends demain. De la journée, c'est sûr. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Et là, je vais bouquiner, surtout. Je vais continuer. Bonjour, petit Lucien. J'espère que vous allez bien. Vous, moi, je suis toujours malade. Je viens quand même pour vous faire un coucou dans ce vlog. On est mardi 26. Je suis. C'est le nez vraiment encombré. Voilà. J'espère que ça va aller, mais je suis pas sûre que vous verrez cette vidéo en temps ou en heure. Je suis désolée si vous la verrez pas ce week-end. Je ferai tout pour la mettre de la semaine, du coup. Parce que là, je suis vraiment pas dans mon assiette. Je n'arrive même pas à faire ce que j'ai à faire chez moi. Pourtant, faudrait que je donne un coup de torchon, mais je viens ici de descendre deux escaliers. Vous m'entendez pas, mais j'ai du mal à respirer. Alors, voilà.
Mais je vous ai attendu hier parce que j'avais un gros colis à ouvrir. Voilà. Je me suis dit que hier il est arrivé très tard au soir. Et je me suis dit que j'allais attendre pour l'ouvrir avec vous. Voilà. Du coup, on va s'ouvrir tout ça. Et hier, j'allais un petit peu mieux et j'ai pu lire. Du coup, voilà. Je vous montre. J'allais faire une bêtise quand j'ai commandé. J'avais commandé, je sais plus, des livres et il y en a un qui s'est mis en deux fois. Je sais pas pourquoi. Voilà, j'essaie de tout sortir en même temps. Voilà. Alors, on commence tout de suite par celui que j'ai entendu. Oh, je le voyais plus gros que ça. Excusez-moi si je tousse. Recherche d'or. Nathalie Lucivane chez Hugo, dans la collection Hugo dans la New Romance. Vous voyez pas, c'est vraiment dommage avec un petit loup. Je sais juste que il va avoir un crash d'avion et qu'elle va se retrouver un peu seule, mais elle va retrouver quelqu'un qui est dans la montagne avec un loup, un truc comme ça. Je ne suis pas sûre de ce que je raconte, mais j'entends que du bien de ce bouquin, c'est pour ça que je l'ai pris. Après celui-là, je pensais pas énorme. Voilà. J'ai bien aimé cette autrice qu'on dit. Autrice, je pense, comme ça. Lui aussi, je pensais pas aussi gros. Je pense que c'est autrice, ouais. Du coup, je me le suis pris. C'est de Isabel Wall. Écrit. C'est fait à quatre mains. C'est de Isabel et Samantha Shannon. Voilà, de chez Hugo, de la collection Nous New Romans. Excusez-moi de me tromper, mais je suis vraiment raciste. Je n'ai même pas dit le titre. Il est là, excusez-moi, mais vous allez entendre mon chat qui pleure, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. Je ne pensais pas qu'il était aussi gros. On va peut-être voir mieux comme ça. Il fait quand même. Ah ouais, quand même. 700 et des pages. J'entends aussi que du bien. Voilà, du coup. Je me le suis pris. Ou dis, qu'est-ce que t'as? 790. 790 qui fait. Ouais, quand même. Voilà. Et pour le dernier, c'est de la Bitlit. J'ai jamais lu de l'habitude, mais ça me donne très envie. Du coup, voilà. C'est celui-ci. Oh, il fait, on fait pas justice avec cette lumière de merde. Mais il est très tôt. Il est 8 heures. Voilà, Lettre écarlate de Anna Bistotto, je crois que c'est en trois tomes, action, romance, voilà, il y a d'autres tomes, enfin. Ah non, c'est quatre, je ne saurais pas vous dire, il est un petit peu abîmé celui-ci. Voilà la couverture. Vous voyez les autres livres là. Je pensais que c'était écrit plus petit, mais non, ça a l'air bien écrit quand même. Il me donne très envie. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais il me donne très envie. J'ai vu qu'il y avait des petits loups là. Voilà. L'un de ses meilleurs romans de la Bitlit de tout le temps. Tout le temps. Voilà. Je vous en parle pas trop des résumés, mais voilà. Vous savez les titres, vous savez aller chercher si vous voulez. Voilà les trois romans. Du coup, et je voulais vous dire, j'avance. Oh, vous allez voir, j'avance tout doucement, mais sûrement. Du coup, je serai pas. Je suis à la page 354. J'ai lu un petit peu hier, pas des masses, comme je suis pas trop dans mon assiette. Mais j'avance tout doucement, mais sûrement. Du coup, je l'aurai pas fini avant. Je pense pas que je commencerai mon dernier livre du mois de octobre. Alors là, malade. Les anniversaires, ça me porte pas préjudice, je vous le dis moi. Du coup, ma lecture, elle est un peu capoute, capoute. Vraiment capoute, je vous le dis. Parce que là, c'est très nul. Je sais pas quoi en parler. Voilà. Voilà, j'ai tout ce que j'ai à vous dire. Là, je dois me moucher, du coup, je vais vous laisser. J'ai encore plein de choses à vous montrer. Mais si je vais mieux après-midi, j'essaierai de vous montrer mes chaussures. J'ai déjà une paire là que je peux vous montrer. J'ai acheté ceci, comme je vous ai dit l'autre fois, là, que j'avais acheté pour 20 euros. Ils étaient à 55 à la base.
20 € à la place de 55, elles sont très belles. Moi, j'aime beaucoup. Maintenant, je sais que tout le monde ne va pas aimer. Mais je me suis dit, comme c'est des grosses semelles, comme l'hiver arrive, la neige, ça va bien tenir. Des bonnes semelles. Du coup, voilà, je me suis dit, pour l'hiver, je les ai déjà mis. J'ai dû faire les lacets à part ça. Voilà. Alors, du coup, je me suis dit que ça vaut le coup. Et puis, j'ai d'autres paires. Je vous les montre bien en fait. Attendez, je fais pause et je reviens chercher les chaussures. Désolée, je reviens en tout ça. Mais je me suis mouchée et j'ai ouvert la porte à mon chat. Comme ça, il est parti dans le couloir un petit peu. Je vais vous montrer même les chaussures de monsieur. Il a pris deux fois les mêmes en d'autres couleurs. Mais je vous montre qu'une paire parce que voilà. Celle-ci, c'est comme ceci. C'est une paire de baskets. Aussi 20 €. Tout ce que je vous montre vaut 20 € en fait. Voilà. Elles sont très belles, elles sont simples. Il a pris en... Vous voyez pas tellement la couleur, mais c'est un gris beige. Ça donne très bien. Avec un petit kangourou. Voilà. Et il les a pris en vert kaki. C'est un vert tout le monde, mais regardez, je vous mens pas le prix. 55, vous voyez. Mais voilà. Une paire vaut 20 €. C'était un démarquage, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Avec mon rhume, je suis dans le caca. Je me suis pris ceci, moi. Je les trouvais très belles aussi. Pour moi, avec une petite robe. Voilà. Elles sont tout simples, mais très belles. Vous avez le petit. Ça, vous le mettez. Voilà. Voilà. Elles sont très belles. Hop. Et de base, elles sont à 65 €. 65 €. Oui, on a fait des belles affaires quand même. Après, vous connaissez la marque Fila. Vous voyez les chaussures comme ça peut donner. Eh bien, je me suis pris une paire de Fila. On ne sait pas laquelle marque. Enfin, c'est Fila. Voilà, elles sont comme ceci. Avec le petit F en logo rose. Ouais, elles sont noires et roses en fait, mais vous voyez pas le rose, cette couleur de caca boudin. Mais voilà, ici eux ils les vendaient 35 € de base, mais je les ai eu pour 20 €. Mais vous savez que le fila c'est plutôt une centaine d'euros. Voilà, et pour la dernière que je dois vous montrer, bon, celles-là elles vont pas plaire à tout le monde. Ça, je le sais bien, mais je m'en fous. Voilà. Mais moi, elles me font trop, trop plaisir. Voilà. C'est une botte de cow-boy avec des petites filoches. Une petite étoile, là. Vous voyez pas trop bien l'étoile. Elles sont en brun. Voilà. Comme ceci. Je me suis dit, avec une petite robe aussi, ça peut être très... Ou... Bon jeans sans jeans pour faire la petite cow-boy. Voilà, avec des petites marques de dessin dessus là. Je les aime beaucoup. Et celles-ci, elles étaient à 50 € à 50 € de base et je les ai pour 20 €. Voilà, tout ça. Du coup, je vous aurais montré ça, je serais contente. C'est pas vraiment ce que je voulais. Normalement, il y avait. Il y a encore un livre qui doit arriver de ce soir, normalement. J'espère qu'il arrivera avant ce soir. De toute façon, c'est vrai que monsieur n'est pas là aujourd'hui. Monsieur va au dentiste après-midi, au soir. Du coup, il peut arriver à n'importe quelle heure. Avant 7 h quand même. Enfin, même avant 6 h. Parce que normalement, il serait rentré vers 6 h 30, 7 h. Voilà quoi. Du coup, là, moi, je vais vous laisser. Je vais continuer à faire un gros dodo. Enfin, je vais me reposer parce que je suis vraiment mal. J'ai pas mal la gorge, en fait. C'est fatigué de parler dans le nez. Ça m'épuise. Voilà. Et je vais ranger tout ça. J'espère que ça vous plaît. Je vous ai montré mes petites chaussures, pas trop chères. Pour ceux qui sont en Belgique, vous marquez Macha, Macha. Et vous allez retrouver sur Facebook. Il y a aussi un site internet. Il faudrait que si je l'oublie pas, je vous le mettrai dans la barre d'infos. C'est machashop.com.
Point BE, je pense que c'est point BE. Je suis pas sûre du point BE, mais c'est Macha Shop, ça c'est si. Avec une barre, mais je sais pas lequel. Mais je sais que c'est Macha Shop. Mais vous marquez sur Google Macha Shop, vous allez trouver ce tellement. Et ils vont un peu partout. J'ai vu qu'ils ont été à Dinan, qu'ils ont été. Ils vont arriver en France. La dame m'a dit qu'ils allaient arriver en France. Voilà. Mais où en France, je ne saurais pas vous dire. Mais si vous suivez le site internet ou la page Facebook, vous allez savoir en temps et en heure où ils sont, où ils se trouvent. Voilà, ici, ils sont de Ghost. Pour le moment, ils sont à Ghostly, mais j'ai vu qu'ils étaient plusieurs à ouvrir petits magasins partout. Du coup, voilà. Et voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je suis allée reposer mon nez. J'espère que ça va aller. Alors, je crois que je vais encore me reposer jusqu'à 9h. 9h30, 10h. Et après, je vais essayer de m'attaquer à mon boulot parce que là. Voilà. Et logiquement, samedi. Enfin, vendredi soir. Je m'en vais. Voilà, jusqu'au dimanche. Mais je pense pas que vous verrez cette vidéo. À part si j'ai le courage jeudi de monter ce vlog. Voilà. Voilà. Il faudra que je prends le courage. Je vais essayer. Je vous promets pas. Mais si ça ne va pas, que je vous le mets pas samedi, j'essaierai de vous monter et de vous l'inclure le week-end prochain ou début de semaine prochaine. Je sais pas encore. Je vais voir. Sur ce, je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous et on se retrouve plus tard. Je ne sais pas quand, mais on se retrouve plus tard. Bye bye! Recoucou mes petits soeurs, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous ai pris au matin, très tôt, dans les environs de 8h. Ça va toujours pas mieux, comme ça se peut voir. Mais j'ai reçu le dernier livre. Enfin non, c'est pas le dernier livre, mais j'ai encore le temps. Du coup, je l'ouvre avec vous. Hop, ta-da-da! Il est trop beau. C'est un livre que j'ai déjà, enfin que j'ai déjà, c'est l'autrice que j'ai déjà lu il n'y a pas très longtemps. Bettine Painting, un truc comme ça. Ici c'est Boss et By Bruit de Crabbe. Excusez-moi pour les noms. Boss, Bay, Bi. Voilà, il est trop beau. Je ne sais pas de quoi ça parle, par contre, il me donne très envie de le lire. Il se trouve, mais elle déteste ce qu'il représente. Elle est prête à sérieux. Attends, elle est trop sérieuse, mais elle adore la provocation. Voilà, la petite phrase d'accroche qui me donne très envie de me le bouquiner. Voilà, mais par contre, il est dégueulasse. Je sais pas si vous allez voir tout ça là. C'est honteux. On dirait qu'on l'a lu déjà. Je sais pas si vous allez voir, mais il est comme si on l'avait déjà ouvert sur cette page-là. Voilà. Il est comme s'il avait traîné partout, quoi. Je sais pas si vous allez voir. Un petit peu, pas trop, mais voilà. Je vais essayer de le remettre droit. Voilà. Pour ce. Bonjour mes petits du sol, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog. On est jeudi, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Jeudi 28 octobre, je ne sais plus quoi. Excusez-moi si je tousse ou si je bois un coup. Mais comme vous m'entendez, je vais beaucoup mieux. Mais je suis encore un petit peu encombrée. Voilà. Mais voilà, mais quand je parle beaucoup, j'ai très mal la gorge et du coup ça me gratte et je suis obligée de boire un coup pour voilà. Mais je reviens dans ce vlog pour conclure le vlog, comme ça je vais pouvoir le monter là maintenant. Il est très tôt le matin, mais j'ai pas trop le choix. Il y avait un livre qui devait arriver, mais il n'arrivera pas maintenant parce que il a été reporté. C'était le sang de. Je ne sais plus le nom. Je suis en train de vite rechercher en même temps. Ah, je ne sais plus le nom. De sang et de. Oh là là là. Il est là, je viens de le voir, bordel de cul.
de sang et de cendres. Il devait arriver, enfin, il sort aujourd'hui, je pense, je crois que c'est sa sortie aujourd'hui. Il est très beau en plus. Voulais voir la date. Ouais, je crois qu'il sort, il sortait aujourd'hui. Je l'aurai que à partir, je ne sais plus la date, à partir du 4-5 novembre. Oh, c'est pas grave, parce que j'en ai pas besoin tout de suite, mais ça me fait un peu chier. Mais tant pis, il sortait aujourd'hui. Je crois qu'il sort aujourd'hui. C'est de sang et de sang et de cendres de Jennifer Allamantrud. J'avais trop envie de découvrir cette autrice. J'en avais déjà pris un. Mais je crois que lui aussi, il faudrait que je vous le montre dans la prochaine vidéo que je vais faire. Voilà. Parce que là, je suis occupée à faire toutes mes vidéos. Voilà. De Jennifer Allamantrud. C'est ça. Je ne l'ai pas encore lu non plus. Voilà. Mais je suis en train de faire mes petits. Recherche de livres que j'ai acheté ce mois-ci. Comme ça, après, vous allez avoir la même dégaine, mais tant pis. Je finis ce vlog. Après, je vais faire le vlog, enfin la vidéo de mes lectures en tome, enfin ma pile d'octobre et la pile, enfin et les achats du mois de octobre. Voilà. Voilà, et du coup je venais vous parler parce que j'ai terminé, je suis contente de l'avoir terminé pour ce vlog. Je me dis enfin un livre que je pourrais vous mettre dans ce vlog. Voilà, je l'ai terminé, il y a ça aussi, il faut que je mette, je pense en même temps. Du coup, L'Antilune de miel de Christina Loren chez Hugo, dans la collection, il n'y a pas de collection, c'est en poche. Si vous voulez, il ne coûte pas très cher, il coûte 7,60. On va suivre plus, enfin, tout au début, en fait, on va rentrer dans un mariage. Voilà, le mariage de sa sœur. De sa sœur. Et pendant le mariage, elle a fait un buffet poisson. Et il n'y a que deux personnages qu'on va suivre juste après. Qui n'ont pas mangé de poisson. Voilà. Et tous ceux qui ont mangé le poisson, la mariée, le marié et les invités, sauf deux personnes, ont une. Comment on dit? Une. Malchance, ouais, mais. Non. Oh! Oh! C'est écrit dans les premières pages. Une intoxication alimentaire. Voilà. Voilà. Du coup, elle devait partir en lune de miel avec son mari. Sauf que ça va pas se passer comme ils vont tous se retrouver en urgence à l'hôpital et très faibles. Et du coup, ils vont. C'est alors. Je sais plus les deux personnages, les noms des personnages. J'ai terminé hier soir, mais je ne sais plus. Et là, je crois pas qu'il est marqué. Il y a tellement de noms que voilà. Du coup, on va suivre deux autres personnages. Les deux personnages qu'on va suivre. Les deux se détestent, se haient, tout profond de leur être. Ils se détestent, voilà. Mais ils vont devoir partir en lune de miel. Voilà. Et du coup, ils vont devoir se faire passer un petit peu pour un faux couple. Sauf qu'ils se détestent. Du coup, c'est assez. Moi, j'ai pas rigolé, mais c'était un peu chouette quand même. C'est un livre que vous pouvez lire entre deux livres qui vous a. Qui peut être plus. Comme. Un petit peu psychologique, voilà. Un petit livre plus réfléchi et tout ça. Celui-ci, il n'y a pas besoin de réfléchir. Voilà, c'est très chouette. J'ai pas encore mis de notes. Voilà, j'ai pas encore été lui mettre une note. Voilà, je vais faire ça peut-être après aussi. Faut que je pense à ça. Voilà. Je n'ai pas encore mis de notes. J'ai bien aimé l'histoire des deux personnages.
C'est assez marrant, mais ils détestent, mais ils vont devoir arriver en lune de miel, faire un faux couple, et du coup, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont se tenir la main un petit peu en arrivant à l'hôtel, tout ça. Et quand ils arrivent à la chambre, il faut se décider qui va dormir dans le lit, qui va dormir dans le canapé-lit. Du coup, c'était très, très, très chouette de suivre cette histoire, de ce qui va se passer, parce qu'il y a d'autres choses qui vont se passer dedans. Comme par exemple, pour le garçon, il va rencontrer son ex-copine. Excusez-moi de tousser, mais c'est quand je parle beaucoup. Du coup, voilà. Mais je vais boire un coup. À l'hôtel, il va rencontrer son ex-copine. Que elle, elle est fiancée, lui, il est marié. Du coup, il n'y a pas très longtemps qu'ils se sont séparés en plus. Et voilà. Et faire semblant d'être en couple, c'est compliqué. Puis elle, elle avait rencontré deux personnes plus âgées aussi à l'hôtel qu'elle apprécie beaucoup. Et faire semblant d'être en couple avec quelqu'un qu'on n'est pas du tout, c'est compliqué. Mais je trouve que l'histoire est belle et assez cocasse, ce qui vont lui arriver tous les deux après. Il faut aller vraiment lire parce qu'il y a un petit truc à la fin. Enfin, moi j'ai adoré la fin. Voilà, j'ai bien aimé la fin. Même si je m'attendais un peu à ça, à cette fin. Voilà. Je peux pas vous dire trop non plus, mais ils se détestent, mais ils vont comprendre pourquoi ils se détestent. On va dire que la lune de miel est cocasse pour eux deux. Parce que ils vont beaucoup parler et ça va beaucoup aider. Ils vont comprendre plein de choses en fait que c'est pas leur faute en fait qu'ils se détestent. Voilà. Et c'est con la façon qu'ils se détestent en plus. Pourquoi l'un l'autre ont des opinions bien tranchées sur les personnes, les autres personnes. Enfin. Sur l'un et l'autre, et parfois juste une parole de copain, copine, frère, soeur. Je vous dis pas plus, mais voilà. Moi, je dis par exemple, votre meilleur ami va dire que lui, faut pas que tu sors avec parce que y a si y a ça, y a ça. Ben, c'est peut-être ce qui va arriver dans ce bouquin. N'hésitez pas à aller le voir. Franchement, j'ai c'est pas que j'ai appris beaucoup, mais pas écouter la parole des gens, ça c'est fondamental. Pas toujours quoi. Je vais pas dire qu'il faut toujours, il faut pas écouter. Il faut l'écouter, mais à certains points. Quand vous avez une idée bien tranchée, par exemple quand vous sortez à une soirée, je dis pas que c'est dans ce bouquin. Hein, c'est pas, il n'y a pas de soirée dans, enfin ici il y a des soirées, mais c'est pas ça. Mais que si vous avez vous rencontrez une jeune fille ou un jeune homme que vous avez flashé dessus et que votre copain, copine ou camarade ou ce que vous voulez, vous dites non, elle c'est une il faut pas sortir avec elle, elle est nanana. N'écoutez pas et allez-y franchement parce que c'est pas ce genre-là mais c'est presque ça qui se passe dans ce bouquin et franchement ça m'a appris que voilà pas surtout mais que parfois qu'on a nos idées dans la tête qu'il faut essayer d'aller quand même pas parce que l'autre a dit mais elle c'est une elle va avec tous les garçons du monde. C'est pas parce que voilà, elle fait ça une fois de temps en temps qu'elle va faire ça. C'est parce qu'elle n'a pas trouvé son âme sœur et qu'elle a droit aussi de s'amuser comme tous les hommes. Voilà. Voilà. Et voilà. Et ça parle aussi de personnes qui cherchent du boulot. Et ça, j'ai bien aimé aussi parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent des personnes qui sont en recherche de boulot et qui est pas toujours facile. Il faut arriver à payer les factures, à payer le loyer, à payer tout ça. Et il y en a notre personnage féminine. Elle est. Elle a fait une journée dans un travail. Ils l'ont mis dehors tout de suite. On ne dit pas pourquoi, mais voilà. Et du coup, la famille va un peu l'aider. Mais ça, je vous laisse découvrir. Parce que si je vous dis le trois quarts du livre, ça vaut plus la peine de lire. Mais. Je sais pas, mais c'était une bonne lecture. Je suis pas sûre que j'avais déjà lu de LC Morgan. Je crois que c'est un des. Je suis pas sûre à 100%, mais Christina Loren, je sais pas si j'avais déjà lu d'elle. Je sais que j'en ai dans ma palle, mais je sais pas si j'en avais déjà lu.
Mais j'ai beaucoup aimé la façon que les choses sont amenées. C'est pas trop lent, il n'y a pas de. Il y a toujours un petit truc qui se passe. C'est cocasse. Il y a pas. Il y a une roman... y a une petite romance, mais on l'a vraiment dans les 200. Les 150 pages à la fin. Voilà, c'est très chouette. La famille aussi, c'est très. Très famille, enfin elle est très famille et j'ai bien aimé ça. Même si elle est en lune de miel avec son faux mari, elle prend quand même quelques nouvelles de ses sœurs et j'ai beaucoup aimé. Du coup, n'hésitez pas à aller le découvrir, c'est un super bouquin. Bon, il n'aura pas une note 10 sur 10, mais comme je n'ai pas encore mis 7, 8 grand max quoi. C'est un livre qu'il faut lire. Voilà, et qui peut passer entre deux livres, qui peut être plus dur. Si vous lisez de la fantaisie et que vous aimez bien un petit peu de romance, il n'y a pas grand-chose en romance, mais c'est chouette quand même. Je ne sais même pas s'il est dans quoi comme catégorie. Mais moi, je classerais en petite roman, enfin, pas en romance, mais il y a une petite romance à la fin, mais dans plutôt l'humour. Un petit peu spectacle. Voilà. Je suis sûre qu'on pourrait faire un spectacle de ça en fait. Voilà. Sur ce, voilà tout ce que j'ai à vous dire sur ce roman. J'ai beaucoup apprécié. L'écriture, la plume, elle passe tout seul. Chaque coup que j'étais dedans, c'était fouillis. Je lisais beaucoup dedans. Je lisais les pages. D'ailleurs, pour vous dire, en n'étant pas bien, j'ai quand même lu plus de 100 pages. Voilà, voilà, je commence à perdre ma voix. Ça va être mal. J'ai encore plein de vidéos à faire après vous. Après ça, voilà. J'étais chouette. J'ai bien aimé. Les personnages sont attachants. un petit peu énervant parfois pour le personnage masculin. Voilà. Mais après ça, après le petit truc. Et c'est bien parce que les personnages se parlent beaucoup. Et ils comprennent les choses qui sont passées et qui ne veulent plus faire la même erreur, quoi. Voilà. Il y a aussi, mais vraiment à la fin, peut-être un petit peu de. Vraiment à la fin, moi, ça m'a. Un petit peu à la fin, ça a été un peu plus plat. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça, je ne m'attendais pas. Mais qu'aux deux personnages qui leur arrivent, oui. Mais pas à ce qui arrive à la sœur mariée. Il y a un truc qui va se passer à la sœur mariée. Et à un moment, c'était un petit peu plat. Et après, il y a eu un pic que je ne l'ai pas vu venir. Et je me dis, mais comment ça va se terminer? Je ne sais pas, il me restait une cinquantaine de pages. Je me dis, mais non, ça ne peut pas terminer comme ça. Mais non, ça ne peut pas se terminer comme ça. Et à la longue, ben oui, ça se termine comme ça. Pour la sœur. Du coup, voilà, j'étais un peu chamboulée quand même pour la sœur. N'hésitez pas à le retrouver, j'ai bien aimé. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus rien à vous dire. Sauf que je vous dis, j'avais un colis qui devait arriver, mais qui n'arrivera pas parce qu'il est reporté au 5 novembre. Du coup, vous l'aurez dans le prochain vlog. Freddy vlog. Voilà. Maintenant, je vais commencer je vais filmer la palle du mois de novembre. Voilà. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez bien, que vous ne tombez pas trop malade. Je vous envoie mes microbes si vous voulez. Je rigole. Je les garde pour moi. Je ne vous partage pas. Je vais être gentille. Mais voilà, protégez-vous bien. Restez couverts pour être bien au chaud et pas avoir trop froid. Parce que voilà ce qui arrive. Ça, c'est parce que monsieur ouvre les fenêtres de la voiture. Quand tu lui dis, non, j'ai froid. Oh, mais laisse de l'air. Non. Voilà. Qui arrive. Voilà. Toujours pas écouter les hommes. Voilà. Ou quand il pique les couvertures, quoi. Ouais, on va dire que c'est à cause de l'homme que je suis malade. Enfin, ça, c'est lui. C'est lui qui a commencé. Il a commencé le 20. Le 20, ouais. Un petit peu après son anniversaire. Enfin, son anniversaire, le 20. Ouais, il a commencé le 20. Il m'a dit, je suis pas bien. Justement. Puis le 21, il me dit, je suis vraiment pas bien. Et du coup, après le week-end, malade comme un chien. Je lui souhaite. Enfin, vendredi, samedi, vraiment mal. Il a commencé jeudi, ouais, c'est ça. Jeudi, il était pas bien, mais ça allait. Et vendredi matin, mal. Il me dit, je sais pas.
Il prend son courage à deux mains pour aller travailler parce que c'est une demi-journée. Mais vraiment pas bien, il est rentré, s'est couché pour vous dire. Lui, jamais il fait ça, d'habitude il va toujours au PC. Du coup, voilà. Et malade comme un chien. Le samedi, il n'a pas très. Il n'y a pas de se bouger. On a juste été voir notre ami au magasin de chaussures. Mais à part ça, c'est tout. On est revenu, on restait au chaud. Lui, le dimanche, allait un peu mieux, enfin beaucoup mieux. C'est moi qui ai tombé malade dimanche. Moi, claqué, pas bien, mais vraiment mal. J'avais prévu plein de choses en plus le dimanche. Il y avait ma vaisselle qui m'attendait. J'avais ses lessives à faire. J'avais d'autres choses à faire dans la maison. Mais pas su faire. Du coup, lundi, c'était pas tout à fait ça, mais j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai fait la machine, je me suis reposée, j'ai fait la vaisselle, je me suis reposée. J'ai fait que ça, mais c'était une souffrance. Je pouvais vous dire, c'était une souffrance. Voilà, mais moi ça va beaucoup mieux. Je n'ai plus de nausées, c'est le principal. J'ai plus que le nez encombré et la petite toux, j'ai plus que ça. Voilà, il y a plein de gastro qui court. Du coup, voilà, moi j'ai eu un peu la diarrhée. Le nez et je toussais, voilà. J'ai eu un tout petit peu mal à la gorge, mais vraiment un soupçon. J'ai pris juste un truc à sucer pour la gorge. Le lendemain, j'avais plus mal à la gorge. Mais tous les jours, je me fais un thé miel avant d'aller me coucher et je dors presque habillée comme ça pour bien bien transpirer, rester bien habillée pour transpirer, voilà. Et du coup, voilà, ça va beaucoup mieux. Hier, enfin et lundi, mardi, j'ai beaucoup dormi aussi. Et ça apporte beaucoup pour que les défenses immunitaires se battent. Mais quand tout ira beaucoup mieux, je vais reprendre des vitamines pour l'hiver. Parce que voilà, je sens que j'en ai besoin. Et voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Ça fait 18 minutes que je vous parle. Le vlog va être long. Surtout que c'est toujours 2 semaines. Bon, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, même si je n'ai pas pris tout le temps, mais il va être long. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!